Bonjour et bienvenue, on est reparti, nouvelle vidéo, nouvel épisode même de la survie du week-end. Oh, on a une belle tempête, ça c'est embêtant ça. Ça c'est très embêtant. Donc on a une nouvelle. Les glands ne repoussent pas. En tout cas, il y a zéro preuve que les glands repoussent. Beaucoup de gens ont laissé passer genre 10 jours dans la région, hors de la région et tout ça. Et ils ont jamais... Aucun gland n'est revenu. Donc je pense que c'est pas une ressource qui revient. C'est comme les champignons et tout ça. Donc ouais, c'est un peu triste. On pourrait dormir un peu plus. Il y a juste les calories qui vont nous manquer un peu. Mais bon, après on a encore des glands à manger. Parce que là on a une tempête à l'extérieur apparemment. Une longue tempête apparemment. Fais voir un peu la gueule de la tempête. Ouf, ouïaïaï. Ouïaïaï. Ah, c'est embêtant d'être bloqué là. Ça c'est de l'eau potable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire pour passer le temps? On peut réparer ça. Très bien. On peut faire ça aussi. Permet de passer le temps, de monter un peu de niveau, c'est pas très difficile à faire. Ah, ok, je pense qu'on est bon. Je vais voir, on a 900 calories. Je crois qu'il va faire. Il va faire froid par contre. Ça c'est un peu. En tout cas, on va devoir. Ouais, il fait un peu froid. On va devoir aller. On va devoir forcer un peu le chemin. Il faut qu'on descende à l'aéroport parce que ça peut plus durer. On veut s'amuser avec la radio. On veut sortir pendant les aurores boréales et finir en Eskimo en plein milieu d'une plaine. C'est ce qu'on veut faire avec une radio à la main évidemment. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut faire. C'est notre but, c'est de devenir un Esquimau. Donc ouais, un peu triste pour les glands, je trouve. Bon après, bon, comme j'ai dit, hein, c'est un peu trop OP. Hein. C'est un peu trop puissant. Évidemment, on a du vent. On a du vent au mauvais endroit. Est-ce qu'on arrive à l'aéroport là? Je m'en rappelle plus. Je crois qu'il faut encore un peu courir. Hein. Mais c'est genre tout droit. Ah, je me rappelle plus. Je crois que c'est pas loin. Je crois que c'est pas très loin. On devrait pouvoir y accéder très vite. Là-bas, il y a un panneau, on va voir. Je suis content, on va enfin pouvoir avoir de la nouveauté. Ça va être bien. Ok, on est de retour là. On va pouvoir chasser aussi quand on arrive. Puis il nous faut des calories. Je voudrais pas taper dans mes réserves. Donc l'aéroport, c'est à droite.
Il y a un loup. Évidemment. Oh, il y a plein de... Ouh, il y a plein de... Toi, tu tombes vraiment mal. Ok. À tout prix. Par contre, je crois que... Je sais pas où je vais, là, en fait. Ok, les massettes. Est-ce qu'il va passer? Ouais. Oh, là, je suis content, là, on a trouvé plein de... Plein de bois pour faire des flèches, ça c'est vraiment, vraiment cool. Je pensais pas en trouver, honnêtement. C'est pas un loup, ça, encore? Devant, là, juste là. Si, il s'en est. Il nous a lâché? Il nous a lâché. Non, il nous a plus lâché. On va essayer de contourner pour pas se prendre les deux en même temps, sinon ça va être une catastrophe. Je voudrais honnêtement me mettre à l'abri et pas combattre maintenant parce que je tremble en fait. Donc si je peux éviter de tirer, ça m'arrangerait. Oh, là-bas, il y a des arbres pour les glands. Ouais, quand on sera réchauffé, on ira massacrer tout le monde. Il faut qu'on mange. Pas marre de grogner, sérieux. J'en vois 1, 2, 3 là, 4, 5, 6 peut-être. Ouh, je crois qu'il y en a plein. Ça tue. C'est bon, on va bientôt y arriver. Elle est où la porte? Par où on rentre? Je me rappelle plus. On peut rentrer par la droite et la gauche, je crois. Genre là. Oh! C'est quoi ce bruit? What? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? La vache. Oh putain, j'ai fait un bond, quoi. Ok. C'est débile, je sais pas pour ce que c'était ce bruit là. Oh la vache. Alors, sac de couchage, ok, très bien. Ah, un truc de ouf. Et ils ont pas corrigé la lumière par contre. Ils ont toujours pas corrigé la lumière. Ok, on a des bois là. Ok, très bien.
On avait quand même fait pas mal de bordel ici. Hein. J'avoue que je me rappelais pas qu'on avait autant de choses en fait. Ok. Ouais, je vais être franc, je me rappelais pas de ça. Alors, je vais voir ça, ça. Très bien. Et on va dormir 1 heure. Histoire de se réchauffer et tout ça. On a perdu un peu de vie. On va devoir d'abord faire, faire de la chasse. Il faut qu'on récupère, récupère de la nourriture. Et après, il faut qu'on se retape tout l'aéroport pour voir s'il n'y a pas des fusibles et tout ça. Putain, c'est quoi ce bruit, bordel? C'est ça? Incroyable. Fouiller les coups. Oh putain! D'accord. Je savais pas qu'on pouvait fouiller ça. Ouais, ça j'avais. J'avais vu. Bon, il nous faut des loups. Il nous faut des loups. Alors, est-ce qu'il y aurait des parties électriques ici? Excusez-moi, je suis le réparateur. Oh! Visible. Cool. Non. Il y a plein de trucs que j'avais pas fouillé. Il est nouveau cet hélicoptère ou quoi? Je suis jamais rentré dedans. J'ai peut-être jamais vu ça en fait. Ouais, bon par contre il faut que j'arrête d'être distrait parce que. Faut absolument qu'on mange. Strictement rien quoi. Mais c'est quoi ça, ces trucs blancs là de... On peut vraiment mettre des choses dedans? Un peu étrange quand même. Ah non, ça m'a fait fouiller. Ok. Bon. On n'avait pas de la nourriture de l'autre côté, quelque part. C'est vrai que ça en... là on est un peu... Genre on avait strictement rien. On se réchauffe. Oh putain, mais ce bruit, ça va le faire à chaque fois.
Ouais. Ok, on se réchauffe et on va chercher le loup. Sinon, je vais perdre mon bonus et ça va m'énerver. Peut-être manger toutes les massettes, parce que je sais qu'il y a d'autres massettes qui traînent. Ah mais après j'ai de la nourriture ici. J'ai ça, ouais mais je préférerais le garder en fait. J'ai pas d'autres nourritures? Non j'ai pas d'autres nourritures. Ouais non à la limite on va manger les massettes. Parce que ça je voudrais le garder en fait. Ok, on est bon. Bon, on a récupéré des plaques là. On va les jeter. C'est ouf. Là. Ça, des morceaux de plomb. Un seul. Le bois, on le garde parce qu'on va devoir faire du feu. Tous les composants électroniques, on les garde aussi et on fouillera un peu plus après. Allez, c'est parti, à la chasse. Ça va encore faire le bruit là. Putain, ça m'en fout ça. Si à chaque fois qu'on s'approche que ça fait ça, je vais devenir fou. Bon. Je l'ai entendu. Non. C'était pas un loup qu'on a entendu? Oh merde. Là-bas? Non. Merde. Y a plus personne quoi. Bon, on va récupérer la radio. On a encore des massettes. J'arrête pas de changer d'avis. Mais bon, on n'a pas les... On avait des loups, maintenant on n'en a plus. J'avoue que c'est un peu la galère. Ah, lapin. Lapin. Très bien. Ah ah! C'est ici. Ok, on va faire ça après. On va faire ça après. On va faire ça après. D'abord, on récupère la radio. D'abord, on va faire un feu. Putain, où est-ce qu'on va faire un feu? Tiens, on pouvait ouvrir ça. Ok, on fouille après, on fouille après. D'abord... on peut faire un feu là ou pas? Putain, fait chier. Évidemment, il y a du vent, évidemment.
Merde, attends, il y a un truc là. Chut! Tais-toi, ferme ta bouche. Bien ce que je pensais. J'ai bien entendu lui. Je savais bien que j'avais entendu un truc. C'est quoi ce qu'il y a à côté du feu là? À droite. Ah oui, mais c'est vrai que cet endroit aussi, c'est pourri pour faire un feu. Parce qu'on peut pas faire de feu... On peut pas faire de feu genre à l'intérieur de ça. On peut pas faire de feu... caché, en fait. Non, c'est juste un truc qui passe à travers le décor. Ah oui, non, c'est vrai que c'était pourri ici. C'est pour ça que j'aimais vraiment pas cet endroit. C'est le fun. On va faire réchauffer. Reishi. Comme ça on se réchauffe, je peux prendre directement un steak de loup. Deux minutes. Très bien. Voilà, ça descend pas trop. I'm not sure I can carry much more. Ok, parfait. On mange tout ça, on est bien. Et ben voilà, c'est reparti. C'est con parce qu'on a un loup qui a quasiment rien sur la peau, quoi. Non, ça veut rien dire. Qui a quasiment rien sur les os. Que la peau. on va attendre, honnêtement. Le feu, il est à combien, là? 2 heures, ok. Si je casse ça, c'est combien? 29 minutes. Oh, parfait. Fait déjà nuit? Waouh. Je pensais pas qu'on avait pris autant de temps. Ah, ce vent, ça me rend fou, quoi.
14 minutes. On en profite pour faire ça. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Nous, on a fait Raichi. Donc, il nous en faut un nouveau. Et après, on veut... alors. Genre, ça, ça, ça... Ah, juste pour être sûr... Ah mais non, il faut les transformer en... Oh là là, à chaque fois j'oublie. C'est compliqué hein, ce système. Ouais, faut que je pense en fait. Très bien. I wonder if I can drop any of this gear. The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Ok, parfait. Alors, fais voir. Ça. Ouais, faut que je pense à les broyer en fait. Ah ouais, ça a stacké. Tu te fous de ma gueule? Normalement, le jeu, il dit que ça stack pas. Même le Wikipédia, je crois qu'il dit que ça stack pas, parce que je suis allé vérifier. Mais là, quand on les a ramassés, ça stack. Oh bah, tant mieux. Cool. Là, je vais pas me plaindre. Hein. Tant mieux, tant mieux. Ah ah! On va poser ça là. Alors, mémo opérationnel du site 31. Lire. Alors, bonjour tout le monde. Amélioration des capacités de sauvetage de site 31. Comme vous le savez, on nous a demandé de nous charger des opérations de sauvetage de tout le reste de Great Beer. On va se servir du système de communication qui est déjà en place, mais il est loin d'être récent. Il y a des tours de transmission éparpillés un peu partout dans la zone basse de l'île, dont celle qu'on a bricolée sur le site 31. Les boîtiers de transmission tombent facilement en panne, mais s'ils sont branchés en un... et en état de marche, ils offrent une portée convenable qui permet d'atteindre les autres régions. N'oubliez pas d'ajouter les emplacements de transmission à vos cartes. Muskegmord, Lac Mystère et Milton, ça marche. Des opérations de maintenance annuelles seront nécessaires. Le câblage des batteries ont l'air d'être particulièrement fragiles et on a réussi. Et on a aussi eu quelques problèmes au niveau des fusibles. Les tests ne sont pas terminés, mais les premiers comptes rendus indiquent qu'il y a des interférences inhabituelles dans les zones suivantes du bas Great Beer, donc à la crique lugubre, non loin de l'ancienne conserverie, dans la vallée charmante, mais on ne sait pas où exactement, quelque part dans la vallée de la rivière calme. Sans ces transmetteurs, on aura un mal fou à détecter les avions écrasés et autres signaux de détresse en tout genre. Alors il faut qu'on en prenne bien soin cordialement le capitaine Riddrick, 14e unité de sauvetage. Cool, je vais prendre un screenshot de ça, juste au cas où. Bingo! Alors, nouvelle mission. Trouver l'origine mystérieuse de transmission radio de Great Beer Island. Plus d'infos. Alors, réparer le transmetteur du village montagne. Village montagne. Ah, ça c'est Milton. Réparer le transmetteur de la vallée charmante. Muskegmord se trouve à côté de la tour de contrôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, cool. Il y a un truc là ou quoi?
tu vois. Ok, on va réparer. Elle se trouve là, elle là. Changer le mode d'écoute. Ok. Cool. Elle pèse combien? Me dis pas qu'elle pèse un kilo. Ah, zéro. Ah, ça tue. Lorsqu'il y a un transmetteur en marche à portée, vous pouvez détecter les objets lointains en allant là où le signal est le plus puissant. Le mode d'écoute, par défaut, capte des signaux d'origine inconnue, tandis que le réglage secondaire permet de trouver des cachettes de matériel et des épaves d'appareils aériens. Ne fonctionne pas à l'intérieur ou sous terre. Ah, ça tue, c'est à zéro. Ah, ils ont été sympas, quoi. Ils ont été très sympas. On va aller récupérer notre notre eau. Ça, coup de ferraille. Allô. Ok, j'arrive. Ça commence bien, j'arrive pas à prendre. Ah, ferraille. Alors, encore ça. Il y a une batterie. J'aime bien. Alors, la batterie, on la prend après. Alors, attends. Alors, réparer la batterie. Je vais voir la batterie déjà. Hop. Nouvelle batterie, c'est cool. Réparer les fusibles. Il en faut 3 à chaque fois, du coup. Ça va, on en a plein. Batterie, fusible, réparer les câbles. Je sais pas combien il en faut des câbles. Un seul. Réparer les pièces métalliques. Ah, avec des bouts de ferraille peut-être. C'est pour ça qu'il y a des bouts de ferraille tout partout. Waouh, t'as des fortes la vache. Putain, il en faut combien des bouts de ferraille? Sérieux. Eh ben putain. Allumé. Allumé. Je crois qu'on est bon ou pas? Je crois qu'on est bon. Ouais, je crois qu'on est bon. Hein. Ok. Je me mets là pour me réchauffer. Ok. Oh! Faut que je sorte. Putain, mais il fait froid, bordel. Ça a pas l'air de marcher. Ah! Oh si, ça marche!
mais attends, mais je vais mourir de froid là, moi. Attends. Ok, je peux sortir l'arc directement, ça va. Ah, ça tue. L'avion, il fait n'importe quoi. Ouais, mais attends, mais moi, je vais crever de froid, là, si je fais ça. Putain, je suis curieux. Pas extrêmement froid, en plus. Il n'y a pas une maison en face là? Je peux peut-être me réchauffer. On n'a jamais vu, je crois, l'aéroport allumé. Je crois qu'à chaque fois, on n'était jamais à l'aéroport quand il s'allumait. Faut aller vers la droite, je sais, mais... Je vais aller me réchauffer. Alors, on va avoir un problème là. J'ai même pas... J'ai ça en feu. C'est pas beaucoup. Enfin, il me faut un endroit pour me réchauffer en fait, parce que sinon on va être dans la merde. À moins que j'essaye de trouver le truc rapidement. On a l'air de se rapprocher en plus. Ça doit pas être loin. Oh! Ça tue! Oh! Waouh! Un bâton! Un bâton! Oh! Waouh! Wow! On a eu un bâton! On a eu un bâton. Sans déconner, on a eu un bâton. Magnifique. Magnifique. Un bâton. Il nous faudrait un raccourci pour sortir la radio, par contre. Et les gens, on a eu un bâton. Dans notre première cache, un bâton. Vous imaginez ça? C'est pas beau? Un bâton. Ils auraient pu faire un effort et quand même mettre des allumettes. Hein, à la limite. Je demande pas beaucoup. Hein. Mais un bâton, c'est quand même chaud. Hein. un peu incroyable, quand même. Ah, la vache. Ce jeu. Hein. Du coup, j'ai repris mes... Non, j'ai pas repris mes canettes. C'est pas grave. On va recycler ça. On va dormir un petit coup là pour récupérer de la vie. Ah oui, alors du coup... Oh, c'est nouveau ça. Alors, signal du vide. Trouver l'origine du mystère de transmission. Ok, on est à 8%.
Donc réparer les transmetteurs se trouvant à côté de la tour de contrôle de l'aéroport abandonné. Ok, ça marche. Transmetteur Muskegmorn, ça je crois savoir où il est. Vallée charmante et village montagnard, ça marche. J'avoue que je voudrais bien me... J'imagine que la radio en bleu, ça c'est pour la petite histoire, c'est ça? Attends, mais la batterie, elle est... Ah non, elle est encore faite. Allô, Houston? Non, je crois qu'on est bon. Pourquoi? Ah non, mais c'est l'icône de la batterie, en fait. À droite, là, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est une sorte de petite batterie, en fait. Je pense pas que ça soit très important. Ok, je pense qu'on peut dormir. Je pense qu'on peut dormir. Là, on a bien travaillé. Faut qu'on retourne après à l'antenne. Faut qu'on récupère nos canettes, là. Et qu'on continue un peu... Je sais pas, en fait. Je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a genre qu'une seule cache dans la zone entière. Je suis un peu triste, honnêtement. Je pensais qu'il y aurait un peu plus. Déjà qu'on n'a pas grand chose. Après, peut-être qu'il faut se balader un peu. C'est marrant en tout cas, moi j'aime bien. Pourquoi il y a des lumières bleues et jaunes là-bas? Bon, je crois qu'il n'y a plus rien. Oui, attends, est-ce qu'il y a des trucs en haut? Genre à appuyer ou des ordinateurs à lire. Parce qu'on est dans la tour quand même. Après, il y a le radar qui fonctionne. Non, il n'y a rien. Ah, c'est bête. Ça fait bip bip, en tout cas. Sympa. Où est-ce qu'on pourrait aller? Les lumières. Ouais, je crois qu'on a trouvé la cache et c'est tout, quoi. Moi, je suis un peu déçu, quand même. Après, je m'attendais pas à énorme, comme j'ai dit, parce que je sais qu'on est en intrus, mais quand même. Genre... j'aurais pas dit non qu'on trouve juste des allumettes, c'est cool, quoi. Parce qu'un bâton... Hein? Quand même, quoi. Un bâton, s'il te plaît.
Y a rien à lire, c'est marrant. Ils ont strictement rien mis ici à lire, c'est bizarre. Je pense que c'est quand on aura toutes les antennes. Oh, batterie encore. Ça, c'est sympa qu'ils aient rajouté des batteries comme ça. Ça, ils ont bien fait. Je savais qu'ils en avaient rajouté, mais je pense qu'ils en ont rajouté plus que nécessaire. Donc ça, c'est vraiment cool. Ah, ça y est, c'est fini. J'imagine que ça va bientôt s'éteindre. Ok. On va aller essayer de finir notre nuit. Bon bah c'est cool. La radio est sympa. Maintenant on a des missions à faire. Genre réactiver les différentes antennes apparemment. Bon, apparemment il n'y en a que 4 sur le papier, mais je pense qu'il y en a plus en théorie. Faire 3 heures. Je pense qu'il y en a plus. Très bien. On va refaire le tour vite fait. Il fait jour, ça va. Je vais voir s'il n'y a pas des objets. Genre des fusibles et tout ça. Donc en tout, c'est combien? C'est 3 fusibles. 3 fusibles. Un câblage. 2 câblages, je sais pas. Après, c'est une batterie et après, c'est des parties de métal. Je sais pas combien exactement parce qu'elle avait l'air de changer énormément de choses. Ah oui, il faut descendre. Oh mon dieu, je viens juste de me rappeler de ça. Il y a un établi et tout en bas. Oh là là, c'est vrai que c'est vraiment un endroit de merde. Ah, je suis désolé, mais moi je trouve que c'est vraiment un endroit... C'est atroce. C'est simplement atroce en fait de vivre à l'aéroport. Je n'aime pas du tout. À la limite, c'est mieux de vivre à la maison. Mais bon, la maison est loin. On va regarder la carte vite fait. Voilà. Genre, l'aéroport est là. Genre là. Je crois que c'est ça, là. Ouais, Cabin Spirit. Ouais, c'est ça. C'est celle-là. Cabane spirituelle. Après, on avait aussi une maisonnette de Lille. C'est où qu'on restait, nous? Les maisonnettes de Lille ou la cabane? Je crois que c'était celle-là, sur ces cabanes spirituelles. Où on est resté très longtemps. Je crois que c'est ça. À la limite, là, ça va, là-bas.
Mais on va dire c'est assez simple pour dormir et tout, mais ici c'est une catastrophe là. Obligé d'utiliser les sacs de couchage. Bon, strictement rien. On va en bas. Encore heureux qu'on a une lampe. Bon bah du coup en fait on peut partir. Ouais, on peut partir. Si on a vraiment fini ici, honnêtement, il n'y a plus rien à faire. Hein. On peut partir. Après, je vais être honnête, je voudrais bien un peu plus fouiller quand même, mais... S'il n'y a vraiment qu'une seule... cache, ben mince alors. Après, c'est peut-être une cache par nuit. Toi, c'est autre chose, ça, encore. Allez, on descend. Je crois que c'était par là. Ouais, c'est là. Qu'est-ce que c'est débile, cet endroit. Ah oui, du coup, il y a une forge. C'est vrai que j'avais oublié ça. Bon, strictement rien, on se casse. Ah oui, c'est vrai. Du coup, oui, il y a établi et forge. Ouais. Enfin, ça excuse pas l'endroit pourri, hein, parce qu'il fait nuit, en fait. Qu'il fasse jour ou... Qu'on soit le jour ou la nuit, il fait toujours sombre. On voit strictement rien en dessous. Donc, ça excuse pas cette abomination, mais ouais, c'est vrai qu'on a une forge à disposition, si on a besoin. Bon. C'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je crois que quand on va s'arrêter avec cet épisode, moi je vais un peu genre chasser des loups et tout ça. Oh, on a 7 fusibles, c'est cool. Chasser des loups et tout pour faire de la nourriture de côté parce qu'on a rien, on a strictement rien. Et ça, ça m'inquiète. Mon dieu, ça bug. What? Je voyais les icônes se superposer. Est-ce que maintenant on a ça de nouveau? Est-ce qu'on peut relire le ce qu'on a trouvé? Transmetteur. Ouais, 6 transmetteurs réparés. Il y en a bien 6 en tout. Mais après, pour l'histoire, on doit en réparer que 4. Ouais, on doit en réparer que 4, ça marche. Mais il y en a 6 en tout. C'est cool, c'est cool, c'est cool. S'ils nous mettent tout, ils nous disent... Ah, choisir ? Région non découverte. Oh, il nous montre la zone d'effet en fait. Ok. Hey, ils ont travaillé hein, sur leur système. Hein. C'est sympa. Sympa surtout de montrer la zone. Bon, par contre, du coup, on ne sait pas comment les régions sont coupés parce que en fait on devine quoi. Ça c'est l'aéroport, ça c'est juste avant l'aéroport j'imagine avec la gare. Mais ouais. Non ça va, c'est sympa. Comment je fais pour revenir? Retour. Du coup. Note.
Ouais, c'est celle-là. Emplacement des transmetteurs à vos cartes. Ils disent des interférences inhabituelles. Inhabituelles dans les zones suivantes. Ouais, je sais pas. Il y a plein de trucs à voir encore. Mais c'est cool. Maintenant, on a des missions. C'est bien. On va pouvoir se... bah, la prochaine... Bah, le prochain transmetteur, c'est... Transmetteur, pardon. Ah, oh, putain, ce bruit, ça va me rendre fou. Faut qu'on le détruise. Faut qu'on le détruise. Voilà. Ça va être... celui-là de Muskeg Morn. Je pense. Je pense qu'on peut faire celui-là de Muskeg Morn sans problème. On a tous les objets pour. Et c'est sur notre chemin. Bon, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là. De toute façon, il faut que... Il faut que je mette fin à l'épisode. Parce que j'ai... je suis un peu pressé par le temps. Et du coup... on va s'arrêter là. Et ça va me permettre de faire un peu le tour du proprio vite fait. Et alors que je réfléchisse un peu, qu'on fasse un petit compte rendu. Alors, petit compte rendu. Oui, sur le chemin, il faut qu'on aille récupérer tous les glands si c'est possible. Oui, on va encore rester un petit moment ici. On va rester un petit moment ici. Parce que je voudrais... me balader ici et là, surtout dans cette forêt-là, parce qu'on risque de trouver plein de glands, et honnêtement, ça m'intéresse. Parce que c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Pas grand-chose, en fait. À part ça, c'est tout. À chaque aurore boréale, on va regarder un peu si ça nous donne un signal. Notre équipement est bon, il faut juste que je récupère un peu plus de nourriture. Je crois que je vais le faire ça entre deux épisodes. Récupérer un peu plus de nourriture. Genre aller chasser du loup qui traîne. Je crois que ça, je vais faire ça entre deux épisodes. Comme ça, ça évite de faire ce côté un peu long, chiant. Et on part directement à l'aventure. Je pense faire ça. Mais ouais, bah c'est sympa. C'est sympa cette radio. J'avoue que c'est cool. Je pense qu'ils l'ont bien faite. Surtout avec... avec leur système là. Quand vous allez ici. Transmetteur, choisir. Genre rien de voir les zones et tout ça. Je trouve que c'est vraiment cool. On en a 6 en tout à faire du coup. Et après... on en a 4 pour l'histoire et tout ça. Non, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça super cool honnêtement. Donc on continuera ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Comme j'ai dit, je vais sûrement un peu chasser. Comme ça, on n'a pas besoin de faire ça en épisode. Et après, on va un peu re-explorer à la recherche des glands, surtout, hein, évidemment. Et après, on verra encore des nuits s'il y a quelques aurores boréales pendant les nuits qui arrivent. Si jamais ça nous donne un autre signal, sinon... Bon, bah sinon, c'est pas grave. On finira de récupérer tout le matos d'ici et on se casse. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.